Ça y est, il me rappelle encore. Non mais c'est pas possible. Même sur ma montre, il m'appelle là. Regardez. Numéro inconnu, attendez, là je vous mens pas. C'est vraiment marqué ça, numéro inconnu avec une tête bizarre. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là surtout, restez jusqu'à la fin parce que là je pense qu'il va se passer des trucs de fou dans les minutes qui vont suivre tout au long de la vidéo parce qu'il se passe encore une chose... Bon là c'est pour le coup c'est incroyable, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment incroyable parce que depuis hier soir on n'en peut plus, même Lily Rose là elle est partie de la maison, elle est partie chez une copine, normalement elle devrait revenir dans la vidéo parce que je lui ai demandé de revenir et ça fait de, bah, comme je vous ai dit depuis hier soir, il nous appelle en boucle là, depuis que j'ai déverrouillé mon téléphone en... Ouais voilà, en 3 minutes, il nous a appelé 4 fois, c'est incroyable, on sait plus quoi faire au point où on commence à avoir peur de se demander qui c'est parce que attends... T'es pas Pink? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, dépêche-toi, viens, il m'a encore rappelé. Encore? Il m'a encore rappelé. Bon, la prochaine fois qu'il ça m'énerve, moi. Attends, voilà pourquoi j'ai pris la caméra. La prochaine fois qu'il nous appelle, on va décrocher, parce que jusqu'à maintenant, on décroche pas, on laisse le truc comme ça, on fait semblant qu'on n'est pas là, sauf que là, bon, ça fait entre hier soir et maintenant, ça fait au moins 4 appels, 40 appels plutôt, donc on est assez angoissé, quoi. Punaise. Oh non, on se recommence. Non mais comme je vous ai dit, il arrête pas de nous rappeler. Bon vas-y. Donc c'est ce que je voulais dire aux abonnés. Vas-y, tu décroches. Vas-y, décroche. Oui, allô. 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 Et vous êtes qui là? Allô. Arrêtez de nous embêter. Non non non, c'est pas moi. Je trouve pas ça marrant là. Venez au rendez-vous. Et où ça? Venez au rendez-vous. Où? Je sais pas quoi faire là. C'est quoi le rendez-vous? C'est quoi le rendez-vous? Bah écoute, je ne sais pas. Mais où vous êtes là? Venez au rendez-vous. À quel endroit? Il veut pas répondre, hein. Abandonne, peut-être qu'il va nous envoyer un message. Attends, raccroche. Non mais attendez, je vais vous montrer le nombre exact d'appels. 43. 43 appels. Là, c'est incroyable. Je sais plus quoi faire. Bon, on va attendre qu'il nous envoie l'adresse du rendez-vous parce que là, quelqu'un qui nous appelle 40 fois comme ça, faut aller le voir. Écoute, de toute façon, il sera obligé de nous rappeler s'il veut nous voir. Justement, s'il nous rappelle plus, tant mieux. Le rendez-vous, c'est bizarre. Attends, je vais regarder si j'ai reçu un message ou pas, parce que ça tombe avec tous les messages que je reçois aussi, pareil. Parce que lui, d'habitude, il nous envoie pas de messages. Enfin, d'habitude, depuis hier soir. Alors, non, je reçois. Pour l'instant, j'ai reçu aucun message. Je vais peut-être attendre qu'il rappelle. Ouais, bah voilà, quand on parle du loup, numéro inconnu. Bon, attendez, je vais pas décrocher et je vais attendre qu'il nous envoie un message, les amis. C'est pour ça, répondez jamais à des nus. Il m'appelle encore, il m'a rangé 2 fois de suite. Attendez, je vais essayer d'écouter. Il est pas bien. Allô? Allô? J'entends rien. 4-34. Allô? Allô? J'ai entendu le 30. 30, ouais, moi aussi, ouais. Oh, je sais pas, mais 30 ça veut rien dire, c'est pas une adresse 30. 30. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah je sais pas. Mais là franchement les amis, bon, moi je suis convaincu qu'il faut y aller. Surtout que Lily Rose va arriver d'une seconde à l'autre, donc il faut la prendre aussi au rendez-vous. Attendez, je vais regarder. Attends, j'avais reçu un message de ce numéro-là il y a 2 semaines. Mais il y a 2 semaines, il nous appelait même pas. Attends, 30 rue des Potiers. Il nous appelle encore. Regardez sur ma montre. Il nous appelle encore, c'est incroyable. Bon, les amis, on va essayer d'aller rendre 30 rue des Potiers. Il nous a envoyé un message il y a 2 mois, donc c'est que ça doit être là. Le numéro correspond, donc on va y aller. Allez, c'est parti. On y va, let's go. Bon, allez, dépêche-toi, là. On n'a pas de temps à perdre, on va pas prendre 15 ans. Mais c'est où, aussi? Bah, 30 rue des Potiers, j'en sais rien, ça doit pas être très loin. Attends, je vais rechercher sur une carte, déjà. S'il nous donne un rendez-vous, mais non, mais... T'es bête ou quoi? Prends pas une carte, tu regardes sur ton téléphone. Bon allez, c'est parti. Donc les amis, on va se rendre 30 rue des Potiers et on verra bien ce qu'il y a là-bas. J'espère qu'il y aura le gars du numéro inconnu. C'est bon les amis, on est arrivé, bah entre guillemets arrivé, hein, parce qu'on a cherché rue des Potiers. Bon, elle existe bien, mais elle est là-bas. En fait, c'est la rue qui est là-bas. Sauf qu'il n'y a pas de 30, ça s'arrête au 15, 20. Je crois qu'on avait vu 20 au maximum. Et du coup, bah en face, normalement le numéro 30 est censé être en face. Ouais, il n'y a qu'un côté de rue en fait. Il n'y a que le côté de cette rue. Donc de l'autre côté, c'est censé être ici. Mais voilà, ici, il n'y a rien quoi. Regardez, c'est la forêt. Enfin, c'est des trucs un peu de terrain vague et tout. Donc ça m'étonnerait que.
J'ai su qu'à l'origine, il y avait une maison, il y avait le prolongement, et tout a été abattu anciennement. Ah, tout a été détruit, ouais, bah normalement, alors le 30 rue des Potiers, ça devrait être ici. Mais depuis qu'on a dit l'adresse 30 rue des Potiers, depuis qu'on dit qu'on va y aller, plus d'appels. Ça faisait, il nous a appelé 40 fois là, entre hier soir et maintenant. Attention, tu marches quand même, parce que j'ai pas trop confiance. Bah ici, ouais, il y a plein d'affaires bizarres et tout. Attends, tiens, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça a l'air un peu moins pourri que le reste. On dirait que ça vient d'être déposé. Il y a des gens qui passent, donc vas-y, attends. Les amis, on va récupérer ça. Ça tombe, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais on entend... Ouais, non, ça doit être des oiseaux, parce qu'en fait, on est en pleine forêt, là, même si on est à côté de la ville. Moi, je l'aurais pas pris, Esteban. Alors, il nous a demandé de venir 30 rue des Potiers. C'est la seule adresse qu'on a trouvée. Il faut bien qu'on... Bon, écoute, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ou pas ? Une solution à ce mystère-là. Le gars, il va pas nous appeler pendant encore des années et des années. Hein. Et attends, il y a un mot avec une... Regarde. Ah, mais c'est quoi, ça ? Mais c'est la poupée hantée ? Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Encore ? Non, mais c'est la poupée... Attends, avant de regarder. En fait, ça, c'est pour ceux qui suivent les vidéos, c'est une poupée qu'on a déjà vue dans nos vidéos. Et en fait, elle est hantée. À chaque fois, on essaie de s'en débarrasser. On la met chez nous, elle revient. On la jette, on la dépose dans un autre endroit, on la donne à quelqu'un, on l'a enterrée une fois. Elle revient à chaque fois. Ça m'étonne pas. Il se passe des choses bizarres à chaque fois. Non, mais ce numéro masqué, c'est sûr que c'est quelqu'un qui suit nos vidéos. Attends. C'est quoi, ça? Un téléphone. Je vais le déposer. Et ça tombe, c'est avec ce téléphone-là qu'il nous appelle. Attends, il fonctionne au moins ? Non, il fonctionne plus du tout. Il fonctionne plus. Ah, c'est pas normal. Non, il doit y avoir un code. Non, mais même quand j'appuie longtemps, il s'allume même pas, quoi. C'est même pas qu'il a plus de batterie, c'est qu'on dirait qu'il est HS. Non, c'est... Mais en plus... Ne me cherchez plus. Non, mais c'est quoi, ça ? Non, mais laisse-le, abîme pas, on garde tout. Même le sac, on va garder. Attends. Vas-y, remets la poupée dedans, on va tout embarquer. Il nous a suivis, certainement. Non, mais oui, il savait qu'on allait venir ici. Au dernier moment, il a déposé le sac. Non, mais ne me cherchez plus. Non, mais en même temps, c'est normal qu'on te cherche. Tu nous appelles 40 fois. On est sûr que tu vas regarder la vidéo, le numéro masqué. Non, mais... Non, c'est quoi ? Non, mais ça, il doit être quelque part. Là. Je parie qu'il est en train de nous observer. Ouais, Non, mais de toute façon, s'il est en train de nous observer, ici, c'est tellement grand... Il y a tellement... regardez, il peut être dans un arbre, il peut être là-bas au loin avec des jumelles, il peut être dans un appartement, il peut être... Non mais c'est abusé. Bon bah là, en plus, on a demandé à Lily Rose de rester à la maison finalement, pour pas qu'elle vienne au rendez-vous du numéro masqué, parce que bon... Ça a bougé, c'est bon. Non mais c'est normal que ça bouge, t'as des gens qui il y a des gens qui se promènent ici. Oh, c'est sûr qu'il y a rien. Non mais il est pas bête. S'il a monté tout ce plan, c'est qu'il est très intelligent et qu'il veut quelque chose de précis. Bon, les amis, on va tout récupérer à la maison et ça tombe, il se passera quelque chose avec la poupée. C'est ma théorie. Le téléphone, pour moi, il fonctionne plus. C'est pour ça qu'il nous appelle plus. Il l'a laissé là, il l'a cassé, il l'a laissé là. Et à mon avis, il va se passer quelque chose avec la poupée parce que c'est le seul truc intéressant qu'il y a dans le sac. Mais non, moi, je veux pas garder la poupée. On garde tout. Il faut résoudre ce mystère, il nous laissera pas tranquille. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois ? Ah, mais tant pis. Bon, les amis, en tout cas, si vous voulez suivre la suite du numéro masqué ou de la poupée, restez abonnés à cette chaîne ou abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche, mettez un like et surtout, allez voir une autre de nos vidéos qui apparaît ici ou sur le côté ou sur notre chaîne. Et on se dit à la prochaine. On est arrivé, Esteban. Bye bye. Allez.